Enola, révélée dans la promotion 2022 de la Star Academy, avait déjà participé à un autre programme de télévision. Elle n'était âgée que de 14 ans, et vous allez être surpris. Après 6 semaines de compétition, Star Academy, qui faisait son grand retour sur TF1, s'est achevée avec la victoire d'Anisha, face à Enola. Les 13 élèves de la nouvelle promotion ont suivi un apprentissage complet, des cours de chant avec Adeline Tounayouti, de danse avec Yanis Marshall, d'expression scénique avec leur ballon, de théâtre avec Pierre De Brouwer, de sport avec Coach Joe, sans compter sur les heures de répétition pour préparer les primes, avec Lucie Bernardoni et Marlène Schaff. Depuis la fin de l'aventure, les finalistes ont profité de leur famille, mais ils se sont vite mis au travail. Les stars académiciens travaillent sur de nombreux projets. Tiana a signé avec une maison de disques, Stanislas préparait la sortie d'une reprise, Léa, qui a dévoilé des rapprochements entre les candidats, serait aussi en bonne voie pour conclure un contrat dans un label, et Anisha travaille sur son premier album. Pendant les fêtes de fin d'année, les fans ont pu pour la première fois visiter le célèbre château de Damary-les-Lys, ouvert au public, et découvrir notamment les messages laissés par les stars académiciens, depuis les débuts de l'émission en 2001. De son côté, Louis, un des 4 finalistes, s'est confié à propos de sa sensibilité qui a touché les téléspectateurs ou encore sur les nombreuses remarques bouleversantes qu'il a subies pendant son enfance. Il a aussi évoqué son amitié avec Enola, et leur projet de colocation. Enola, comédienne à 14 ans dans une émission de Script Reality. On n'a pas de salaire encore actuellement donc c'est compliqué. Donc, on ne sait pas, peut-être plus tard, ce n'est pas un non, mais ce n'est pas prévu pour tout de suite, a-t-il expliqué. Enola, pour sa part, est plus discrète sur son actualité, malgré quelques séances de dédicaces auxquelles elle participe avec plaisir. Mais si est son passé qui refait surface en ce début d'année. En effet, sur Twitter, des captures de la jeune artiste ont été dévoilées. Et on découvre Enola, plus jeune, dans la série de Script Reality Face aux doutes. Le concept, des histoires inspirées de faits réels, recréées sous forme de fiction, avec une réalisation proche du docu-réalité. Dans cet épisode sous-titré Une vie de mensonge, on voit Enola, alors âgée de 14 ans, jouer la comédie dans le rôle d'une fille de bonne famille, qui fait face aux mensonges de son père, et qui vont faire sombrer toute sa tribu. La fiction réalité est même disponible sur la plateforme 6 Play ici. Pour rappel, l'émission de réalité scénarisée a été diffusée pendant 3 saisons sur les chaînes du groupe M6 à partir du 10 octobre 2012. Enola dans Face aux doutes, une vie de mensonge. La première diffusion date du 12 août 2015. Hashtag Star Academy Pic. Twitter.com/6mw61uh Marvin @bainmar 8335 January 3, 2023. À lire aussi c'est compliqué. Louis, Star Academy, évoque son amitié avec Enola et leur projet de colocation.